Alors, bah, évidemment, comme acteur, j'en ai plein. J'imagine. Donc, j'en ai un assez croquignolet qui représente assez bien la profession, je trouve, de l'intérieur pour l'intimité entre comédiens, je dirais. Alors, c'était dans un Scapin, je jouais Octave, et Michel Rossi jouait Sylvestre. Bon, puis il y avait une scène assez intense comme ça, et à un moment, petit à petit, c'est une mise en scène de Georges Vaude, bon, pour situer au théâtre de Carouge, hein, avec un décor de Frigerio, où il y avait une tempête énorme, il pleuvait sur scène avec le bateau, là, vraiment. Et à un moment, Rossi se tournait comme ça, et moi je m'accrochais à lui, et puis mes pieds montaient comme ça, il y avait une sorte de truc qu'on faisait, qui s'est créé petit à petit comme ça en jouant. Et puis un jour on en a parlé, puis on s'est dit, ah t'as vu, on fait ce truc, c'est incroyable, tu me tournes, tu t'accroches, ben on n'a plus jamais réussi à le faire.